Tu ferais quoi si t'apprenais que la meuf d'un de tes potes, elle le trompait? Comment ça, je ferais quoi? Bah je sais pas, tu lui dirais plutôt à lui, directement? Ou tu le dirais à sa meuf en disant « Je sais que tu trompes mon pote, va lui dire, sinon je lui dis. » Bah, je sais pas, comme ça, je me dis que je le dirais plus à la meuf. Parce que si tu le dis à ton pote, de un, il va t'en vouloir, et de deux, il va te traiter de mytho, donc autant le dire à la meuf directement, non? Ah ouais. Attends, pourquoi tu me dis ça, toi? Pour rien. T'es pas en train de me dire que t'as vu ma meuf me tromper par hasard, toi? Non, non. T'es sûr, hein? Non, mais non. T'as une question chelou, toi, des fois. En même temps, si c'était le cas, je le dirais à ta meuf. 9. 3. 10. Qu'est-ce que tu fous? Bah, je note les meufs. Quoi? Je note les meufs. T'es pas sérieux? Bah, pourquoi? Mais mec, on peut plus faire ça. T'as plus le droit, mais c'est hyper dégradant. Attends, mais tu peux pas prendre les physiques des femmes et les juger comme ça dans la rue. Non, mais mec, c'est à cause des mecs comme toi que les filles elles terminent sur des îles désertes à se taper un ours parce que tous les mecs sont des connards. Non, mais je note pas les meufs, je note je note pas leur physique. Je note le pourcentage de chances que j'ai de me mettre avec. Ah, d'accord. Ouais. Et du coup, elle, tu lui as donné 10? Tu t'es donné 10% de chances de te mettre en couple avec elle? Ouais. Pourquoi? C'est pas possible. Jamais une 10, elle se mettrait avec un 3.